Vous écoutez France Culture. Le tournoi de Paris, Pierre Boudalier, vous, bonjour. Bonjour, vous êtes un des organisateurs. En deux mots, quelle est l'importance de ce tournoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ce tournoi est un tournoi très important puisqu'il constitue tout d'abord la finale d'une série tournoi de prestigieux puisqu'il s'agit de la Coupe d'Europe en Danette, d'un événement fort de la Fédération française de jeux de Go qui a pour but de structurer toute la vie du Go en France et qui fait l'interface également avec les associations et puis les fédérations étrangères. D'accord, donc ça se passe donc à Paris en mars. Voilà. C'est mon petit week-end de Pâques, jeu de Go, famille et inscription. Du beau monde quand même au tableau, même si on n'a pas un 9e dan comme l'année dernière. De plus en plus de jeunes comparés aux autres années, beaucoup de moins de 18 ans préinscrits et qui viennent participer. Et de tout niveau, de 20e Q à 4e, 5e dan pour les jeunes. J'ai joué contre Cataline, 5 dan pro et. Et il m'a laissé jouer, enfin c'était terrible, j'ai joué à 9 pierres et il a gagné d'un point. Donc il a fait beaucoup d'efforts pour gagner d'un point et qu'il ne distance pas trop. Les premières rondes, les pendules seront déclenchées dans un quart d'heure. La liste des joueurs est affichée ici. Ça c'est le numéro de la table, j'imagine. Alors dis-moi, comment se passe le tournoi de Paris pour toi? Bah écoute, on a un petit peu des difficultés habituelles au début, c'est-à-dire la première ronde, un petit peu de ramage, et puis après, bah, ça a l'air de bien se présenter. On a 350 participants, ce qui est une belle performance, et puis bah, dans l'ensemble, l'organisation se passe bien après les petites difficultés de la première ronde. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est parfaitement solide. Quel numéro? 232. 232, vous pouvez pas, vous me dites. Le tournoi de Paris est le plus gros événement organisé par la Fédération française de Go. Pour participer à ce grand rassemblement, les joueurs affluent des quatre coins de la France et certains viennent de plus loin encore. Si jouer au Go est le point commun à tous, le profil et les motivations de chacun sont d'une grande diversité. Vous êtes venu à combien de Marseille? On est venu à 6. Des petits, des grands, des forts, des faibles. Voilà. Mais je crois que tout le monde est content d'être là quand même. On est un peu serré, mais c'est bien. C'est toujours plaisant de jouer avec des nouveaux joueurs et de voir la jeunesse nous manger dans la main. En fait, on est du club de Nantes et on en est trois jeunes du club avec nous. C'est le premier gros tournoi que je fais et c'est super. De Nantes, on est quand même une petite dizaine, je pense, quasiment. C'est un grand tournoi, donc rencontrer des joueurs forts, retrouver les amis, enfin, ce genre de choses, quoi. Et puis aussi, accessoirement, pour jouer des parties sérieuses quand même, parce qu'il y a des adversaires de taille. Ben, en France, il y a beaucoup de tournois conviviaux et c'est vrai que le tournoi de Paris fait partie des tournois vraiment sérieux qui ressemblent vraiment à des tournois un peu comme des tournois d'échecs. Et c'est vrai que l'ambiance est assez sympa et puis pouvoir jouer des joueurs qu'on ne joue pas d'habitude. Parce qu'il y a des étrangers aussi, donc c'est aussi intéressant de jouer contre ces joueurs-là. C'est surtout pour faire jouer les enfants que je viens en fait. Voilà, les enfants commencent à grandir et à jouer donc. C'est plutôt la relève qui s'amuse. Enfin, je commence. Moi, c'est le premier tournoi que je fais. Donc, c'est quand même assez agréable comme ça quand on joue ici. Quoi. C'est mes premières parties, je pense, même sur le plateau. Quoi. Il y avait beaucoup de monde que j'avais envie de rencontrer. J'avais envie aussi de jouer à un grand tournoi. Je connais une quarantaine de personnes d'Internet. Où, ben, y a des amis de KGS belges. Qui sont venus nombreux cette année, donc ça fait plaisir de les rencontrer parce qu'on ne connaissait que par internet. Et maintenant? Maintenant on se connaît mieux. La bonne note, campagne! Cette année, le top group, c'est-à-dire les 32 meilleurs joueurs de ce tournoi, est d'un niveau extrêmement relevé. Il y a bien sûr la participation de nos résidents français, Fanui, 2e Dan Pro, celle de Motoki Noguchi et Dajun Fu, tous deux 7e Dan. La présence de nombreux résidents européens, comme le berlinois Hong Seul Ki, celle de Cho Seok Bin de Hambourg,
ou celle de Luis vivant à Barcelone. Mais le tout est corsé par la venue de très forts joueurs venus spécialement de Chine, comme les professionnels Li Yang ou Meng Feng de Pékin, ainsi que celle de Bao Yun, vainqueur du tournoi 2 ans auparavant et meilleur joueur du monde pour les parties jouées à l'aveugle. Ces joueurs siègent en maître aux premières tables et le plus souvent, les meilleurs Européens sont cantonnés de la table 8 à la table 16. C'est un choix qu'on a fait d'être ouvert, hein, une nouvelle formule un petit peu dans le tournoi de Paris. Ça donne du piment à beaucoup de parties. Il y a beaucoup de joueurs européens très forts qui sont très contents d'avoir l'occasion de jouer contre des joueurs professionnels chinois ou amateurs très forts. Ça complique un tout petit peu le problème du tirage et le problème du classement, mais bon, on assume et puis on essaie de gérer. Je pense que ça va être pour le bénéfice de tous. Oh, c'est très dur, très dur. J'ai joué une partie contre un 7ème dan et 3 contre pro. Oh, c'est très dur. C'est assez sympathique. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est le manque de top joueurs européens, mais on est gâté au niveau joueurs forts asiatiques présents, et puis ça fait des parties intéressantes à jouer. J'ai perdu contre Fan et Motoki, et j'ai battu André Sils, que je n'avais pas battu depuis 8 ans, donc c'est plutôt positif pour l'instant. On va essayer de gagner encore une ou deux parties demain. En parallèle du tournoi, un événement tout à fait particulier suscite l'intérêt des joueurs et des spectateurs. Il s'agit du Yago Challenge, une rencontre entre Katalin Taranu, 5ème Dan Pro, et le meilleur programme du Go du moment, Mogo, développé par une équipe de chercheurs de l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et Automatisme. Pour cette première, Mogo a derrière lui un des super ordinateurs le plus puissant du monde, avec plus d'une centaine de cœurs, généreusement prêtés par la société Bulle. Cette rencontre se joue au meilleur de 3 manches, sur un Goban 9x9. Katalin gagne la première partie, mais pour le bonheur de l'équipe Mogo, la deuxième semble lui poser quelques problèmes. Que la partie s'achève, on vient de gagner par la route. C'est assez impressionnant par rapport au programme précédent. Il est vraiment plus fort que les autres. Là, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je dirais que c'est possible que Mogo arrive à gagner. Je ne sais pas, on va voir. Pour la troisième partie, le suspense est à son comble. Mais avec Blanc, Katalin parvient à arracher la victoire. Il remporte donc ce challenge 2-1 contre Mogo. C'est presque une révolution qu'un ordinateur, même si c'est sur 9-9, ait pu battre un joueur très fort comme Katalin, qui est professionnel. Et je suis assez content que l'humain ait battu la machine. Donc Ce qui est intéressant, c'est que vraiment il trouve des coups auxquels on ne pourra jamais penser. Au niveau de Mogo, alors j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais qu'avec le super ordinateur annoncé qu'il devienne beaucoup plus puissant, mais il faut laisser le temps d'avoir des meilleurs algorithmes et surtout d'utiliser des super ordinateurs le mieux possible. Une dernière rencontre symbolique est organisée sur un vrai Goban 19x19 avec un handicap de 9 pierres. La partie 19-19, ça va être un carnage. Noir va être explosé. Bon, je pense que Noir va gagner cette partie, mais bon, ça reste une partie à 9 pierres, donc... Donc c'est pas forcément très significatif. D'une manière surprenante, Mogo mènera pendant longtemps la partie et ce n'est que vers la toute fin qu'il commettra une erreur fatale. En conclusion, une table ronde sera organisée pour débattre de l'intérêt réciproque de l'intelligence artificielle et du jeu de Go. Au final, le Yago Challenge s'est avéré comme un événement très positif et il a été largement suivi sur Internet. Et on a eu au plus fort, donc c'est-à-dire la deuxième partie, environ 600 joueurs qui ont regardé la partie Yago Challenge. Les auteurs du programme avaient l'air contents et puis nous sur KGS, ça s'est très bien passé, on a fait une pub à l'événement. Et... 9-9, it's really strong, so it's quite a challenge even for a professional. And on 19-19, you still have to learn a lot, but I was quite impressed about the game I played. In many parts of the game, he played very well. Katalin lui-même l'a dit, quoi, quand le programme a joué blanc et qu'il a gagné sa partie, il a dit que ce programme ne fait pas d'erreur. Quoi. À un moment, il a joué un coup pour finir Sente et le programme a intelligemment pas répondu et allé attaquer ailleurs. The most important feature for a Go player is to be cool. To don't lose your head in the middle of the fighting, and I think computer is the best at this. Si l'on veut suivre le conseil de Katalin Taranu,
il faut rester bien concentré et ne pas perdre son sang-froid. C'est facile à dire, mais beaucoup plus dur à faire, surtout lorsque la tension monte. Dans cette cinquième et avant-dernière ronde, les enjeux deviennent de plus en plus importants. Et pour bien supporter la pression, les plus jeunes ne sont pas les plus démunis. Que l'on soit blanc ou noir, que l'on soit en avance ou en retard sur le goban, chacun s'applique à jouer au mieux, même avec le cœur qui palpite, jusqu'à la fin de la partie. Deuxième victoire. Bien aussi. Ça remonte un peu. Deuxième victoire. Trois. Je suis à 3 victoires sur 5 là, donc j'espère battre mon prochain adversaire quoi, pour quand même terminer plus haut que la moyenne. Voilà. Ah, c'était bien. J'ai fait des jolies parties que j'ai données. Ça va. Les parties, c'est pas trop top. Perdu d'un demi-point la dernière partie, puis bon, on va voir comment ça va se débrouiller après. Pour consoler ceux qui auraient de mauvais résultats, cette année, nous avons eu la présence de Maître Cao Taiyuan, 9e dan professionnel. C'est l'un des joueurs chinois le plus populaire au monde. Pour le bonheur de beaucoup, il a généreusement offert plusieurs parties simultanées organisées entre les rondes. Représente un événement comme le tournoi de Paris pour quelqu'un comme vous qui vendez des livres et du matériel? Oh ben c'est un rendez-vous vraiment important où on se doit et où on trouve un immense plaisir à être présent, voir dans quelle direction ça va évoluer. Maintenant, ben, y a de la littérature en français. C'est bien, ça se développe. Pas mal de livres d'initiation pour l'instant en français. Ce qui serait bien, c'est que ça se développe dans le sens de livres intermédiaires, un peu de théorie et de problèmes, d'exercices, mais ça vient, il y a des choses en préparation. Là, commence à y avoir une belle bibliothèque, une belle librairie de proposer. Dans cette sixième et dernière ronde, la rencontre Fan Hui contre Cho Seokbin est déterminante. Cho a remporté tous ses matchs, alors que Fan a subi une défaite contre Meng Feng. Au fur et à mesure que les joueurs de la grande salle ont terminé leur partie, ils affluent vers la petite salle pour assister aux rencontres des plus forts. Apparemment, Fan semble être en avance. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas toute la subtilité de ces coups de très haut niveau, les commentaires de Kathleen Taranou sont là pour leur permettre de mieux les apprécier. Ça marche beaucoup hein, dans le On s'est bien amusé. Voilà, il y avait plein de gros méchants chinois, coréens, ils nous ont tous battus. Ils sont les 10 premiers d'ailleurs, c'est eux. Et voilà. Moi je suis 11e. Je suis content, c'est un bon classement. Un bon tournoi pour moi. J'ai gagné contre les gens à peu près de mon niveau et j'ai perdu 2 parties contre les plus forts. Ah, c'était trop bien. Pourquoi? Parce que c'était marrant, on s'est amusé et voilà. Il y a plein de nouveaux jeunes, on sent qu'il y a vraiment que le go se développe de plus en plus. En fait, on sent que le tournoi progresse un peu d'année en année, qu'il y a de nouvelles idées qui apparaissent et c'est pas mal, je trouve. Le travail fait par la FFJ, l'organisation des bénévoles, a été absolument extraordinaire depuis des mois. Et ça, je suis très, très étonné, très impressionné, la qualité du professionnalisme de ces bénévoles. Un présent de commandeur par jour, ce week-end? Je compte même pas. Je fais ça vraiment pour le tournoi, donc je préfère pas compter d'heures. Mais beaucoup, beaucoup. Pas compter les préparations avant. Alors on va faire un point, essayer de voir tout ce qui peut être amélioré pour l'année prochaine, parce que commencer à faire un suivi pour les années suivantes, ce serait très bien. Ouais. Mais qui est le vainqueur du tournoi de Paris? Fan a gagné son dernier match contre Cho, et on retrouve 4 joueurs à égalité avec 5 victoires. Au départage, nous avons le classement final. Bao Yun 4e, Cho Seokbin 3e, Tai Jun Fu, second. Et le vainqueur est encore une fois Fan Hui. Motoki se classe premier du tournoi en partie rapide. Mais les grands vainqueurs sont aussi tous ceux qui se sont bien battus dans leur catégorie et qui ont pu totaliser 5 ou 6 victoires.